Alors la prochaine session, next session, next round table, will be a very interesting. We will present many figures about the ecosystem growth. It's our yearly barometer. So it's a barometer conducted by our very loyal partner, EY. So I will welcome Franck Sebag on stage. Thank you, Franck, for being there among us every year. So the famous France Digital Barometer, the idea is to produce many figures, many KPIs, to demonstrate to our government, to our big company, that the startup have a strong impact on the economy and on our social lives. So thank you again, Franck, for being so energetic regarding this barometer. This is the third version. This year, we have a newcomer, so I am very pleased to welcome Pierre-Yves Joffard, so director of Paris School of Economics, directeur donc de l'école d'économie de Paris. Xavier L'Orphelin donc va animer la session. C'est lui qui, en tant que board member de France Digital, anime ce baromètre chaque année. Donc on va voir l'évolution pour la troisième édition. Merci à vous. Ces chiffres sont très importants. On envoie ensuite un communiqué de presse. Ils sont relayés auprès des médias, évidemment, auprès des gouvernants, pour démontrer que nos startups sont vraiment pèsent lourd dans l'économie et notamment évidemment créent des emplois et donc génèrent de la croissance. Pour c'est ce qui mérite d'être démontré aujourd'hui, parce que parfois on nous dit les startups vous pouvez jouer dans votre coin avec vos petits hochets, et non, en fait il y a des vrais chiffres et c'est intéressant d'en parler tout de suite. Merci Xavier. Merci Olivier. Donc effectivement, on va commencer à parler de choses sérieuses, parce qu'on va parler de chiffres, et puis on va parler d'économie. Donc sur les chiffres, en fait, c'est la troisième année consécutive qu'on publie un baromètre avec Ernst & Young qui va être présenté. Les résultats de ce baromètre vont être présentés par Franck Sebag, qui est associé chez Ernst & Young. On a plus d'une centaine de sociétés donc, que je voudrais remercier, qui ont participé. Et puis ensuite, pour mettre en perspective ce baromètre, on a la chance d'avoir avec nous un économiste, Pierre-Yves Joffard, donc qui est directeur à l'école d'économie de Paris, qui est très actif sur le secteur économique et qui va donc mettre ces chiffres des startups du digital en perspective par rapport à l'économie française. Voilà. Franck, tu prends la main sur les résultats. Oui, merci Xavier. Donc bonjour à tous. Donc très heureux pour la troisième année de vous présenter ce baromètre. Baromètre qui va être décomposé en fait en quatre piliers. On va vous parler en fait de la croissance du chiffre d'affaires, de tout le domaine en fait supportif de l'innovation que nous avons en France. On parlera de people, comme c'était indiqué tout à l'heure, sans bonne équipe et sans employés et sans bonne équipe de management, on ne peut pas faire de belles choses. Donc on verra comment ça a évolué. Et on terminera sur le modèle de partage de valeur, de la croissance que nous avons dans ces startups et voir comment ça se comporte dans les startups du digital. Donc on commence par le chiffre d'affaires. Tout d'abord, ce qu'on voit cette année, c'est une forte progression du chiffre d'affaires. Donc on a demandé à ces 120 startups de nous donner leur chiffre d'affaires de cette année, l'année dernière, pour voir comment ça se comportait, pour avoir une base stable. Et là, on voit en fait une croissance de 43% du chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires cumulé de nos startups digitales en France atteignent en fait 2,3 milliards d'euros. Donc encore une fois, ce sont des chiffres qui pèsent, des chiffres qu'il faut réaffirmer, qu'il faut en fait ne pas hésiter en fait à partager, car c'est quelque chose de significatif, donc 43%. Et ce qui est le plus remarquable, c'est que ce chiffre d'affaires progresse de manière hyper accélérée en dehors de France aussi. Donc on est face à des entreprises qu'on peut appeler aisément des entreprises qui sont born global. Dès le départ, elles ont du chiffre d'affaires à la fois en France, mais aussi en dehors de France. Et ce qu'on remarque cette année, c'est qu'on a eu un doublement en valeur absolue du chiffre d'affaires qui a été réalisé en France. L'année dernière, en fait, sur ce panel, on avait 445 millions d'euros de chiffre d'affaires qui étaient réalisés en fait en dehors de France. Cette année, on a plus de 880 millions d'euros, ce qui nous laisse penser que ces sociétés-là trouvent des relais de croissance partout dans le monde et n'hésitent pas, dès le départ, à aller
explorer des marchés en dehors de leur pays d'origine. Deuxième pilier en fait de ce baromètre, pilier sur l'innovation. Donc là, on a posé des questions assez directes pour voir en fait ce qui marchait, ce qui marchait pas dans ce système en fait de support à l'innovation. Sans grande surprise, 77% en fait des startups que nous avons interrogées nous ont indiqué qu'elles utilisaient le crédit d'impôt recherche. On le réaffirme ici, le crédit d'impôt recherche est un élément qui est essentiel dans la croissance en fait des entreprises, dans le financement de l'innovation. Un outil qui nous est envié partout dans le monde. On a il y a quelques temps fait un comparable en fait des outils de l'innovation partout dans le monde. La France a, avec ce crédit d'impôt recherche, quelque chose qui est assez remarquable, qu'il faut pérenniser. Dans le même temps, on a posé aussi la question sur la jeune entreprise innovante, qui est le label qui permet, comme vous le savez, d'avoir à la fois des exonérations d'impôts sur les sociétés, mais aussi des réductions de charges sociales. Là, les réponses sont plus mitigées. 54% seulement des entrepreneurs et des startups utilisent le statut de jeune entreprise innovante. Alors, on s'est posé la question de savoir pourquoi. Et là, les raisons, en fait, sont assez simples et sont liées aussi à la genèse même en fait de ce statut, puisque pour pouvoir utiliser ce statut, il faut avoir déjà moins de 8 ans. Donc certaines de nos startups commencent à dépasser un peu cet âge. Et surtout, on a le critère en fait de dépenses dédiées en fait à la recherche, dépenses qui doivent être à hauteur de 15%. Et là, on a un point d'achoppement sur cette règle, sur cette définition de ce qu'est la recherche, encore plus dans le digital. Donc on a beaucoup de sociétés qui sont ultra innovantes, qui font de l'innovation de services. Et là, évidemment, atteindre 15% de dépenses, c'est un peu compliqué. Elles peuvent avoir, le cas échéant, du crédit d'impôt recherche sur des montants plus faibles. Mais avoir 15% de vos dépenses sur de la recherche, sachant que dans vos dépenses, il y a aussi tout ce qui est marketing, tout ce qui est potentiellement achat de trafic, ce sont des ratios qu'il est très difficile à atteindre. D'où ce premier en fait, pourcentage qui est un peu pas forcément intuitif. En même temps, on a vu cette année encore un renforcement ou un maintien des contrôles fiscaux. Ça reste un sujet d'attention. Évidemment, le crédit d'impôt recherche est très contrôlé. Donc, on ne peut que vous encourager à l'utiliser, mais aussi d'être... il faut l'utiliser quoi qu'il arrive, mais il faut bien se baquer sur le sujet. Toujours sur l'innovation, en 2013, on a vu aussi l'arrivée de deux nouveaux crédits d'impôt. De nouvelles réductions. Le premier, c'était le crédit impôt compétitivité, le fameux CICE. Alors là, en fait, bizarrement, en préparant en fait avec Xavier et toute l'équipe de France Digital le questionnaire, on pensait que les entreprises n'avaient pas utilisé de manière massive ce CICE. Bon, on s'était trompé. Pourquoi ? Parce que on verra tout à l'heure dans la décomposition de ce qu'est ce que sont les salariés dans ces startups, mais on a aussi beaucoup de salaires en fait à moins de 2,5 fois le SMIC. On a aussi des postes qui ne sont pas hyper qualifiés. Donc globalement, ça a servi aussi à ces startups pour réduire leur coût du travail. Donc ça a eu un effet bénéfique, même si les montants n'étaient pas mirifiques, mais en toute baisse de charges et tout ce qui permet en fait de réduire le coût du travail est une bonne chose à prendre. Donc là aussi, il faut faire l'effort d'aller chercher ce crédit d'impôt. Cette réduction d'impôt. Le deuxième élément qui était un peu nouveau cette année, c'était un crédit impôt innovation, le CII. Bon, là, c'est un peu sans appel. 83% des sociétés ne l'ont pas utilisé. Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup qui le savaient. Le deuxième élément aussi à avoir en tête, c'est que du coup, la zone où les dépenses éligibles sont assez restrictives, et surtout, c'est que ce crédit d'impôt est limité à 80 000 euros. Donc là, globalement, les entreprises n'ont pas souhaité aller chercher et passer du temps sur ce sujet-là cette année. Peut-être que l'année prochaine, dans la deuxième année, on aura plus d'effets, mais titre personnel, j'y crois pas trop. People, donc les effectifs. Là aussi, deuxième message fort. Troisième message fort. Premier message fort, on a vu le chiffre d'affaires, plus de 44%. On a vu qu'en France, on avait un système de soutien à l'innovation et d'aide qui était quand même assez efficient. Le troisième message, c'est que pour avoir en fait de la croissance et pour bien utiliser en fait l'innovation, de manière évidente, il faut avoir les bonnes personnes, les bons employés, les bons effectifs pour tirer cette croissance-là. Et là, croissance
de 22% des effectifs. 22% des effectifs, du coup, en fait, on a une création de jobs net à peu près de 1400 personnes. Donc, c'est beaucoup d'emplois. À l'heure où on entend, à chaque fois qu'on a une fermeture d'usine de 30, 40, 50 salariés, la presse est là. Bah, là, la presse devrait être aussi là pour démontrer que dans ce secteur, y compris dans les startups, on arrive à créer de l'emploi, donc 1400 postes. Les chiffres cumulés en fait, des effectifs, on est à un peu plus de 6000 personnes. Donc voilà, c'est un élément important dans la réflexion et dans l'état de l'art et dans les KPI du secteur. Quand on rentre un peu plus sur la partie people, on se rend compte aussi, et ça c'est un élément fort, que 91% des personnes, des salariés de ces startups sont en CDI. Donc c'est aussi un message important. 91% en CDI avec une moyenne d'âge de 32 ans. Ça démontre deux choses. Un, ça permet de démontrer que grâce aux startups du digital, on a une meilleure intégration des jeunes diplômés. C'est aussi un sujet de l'intégration des diplômés, qu'ils soient faiblement diplômés ou fortement diplômés. Globalement, les startups embauchent des jeunes et font confiance aussi aux jeunes. Donc c'est une moyenne de 32 ans, ce qui veut dire qu'il y a de quoi faire. Et donc ça, c'est un élément aussi moteur. C'est un secteur qui grandit, qui grossit et qui fait confiance en fait aux jeunes et qui permet en fait de tirer la croissance. Le quatrième pilier de l'étude, c'est un pilier qui est composé en fait et qui permet de démontrer quel modèle social de partage de valeur dans les startups. Premier élément, 90% des startups utilisent des instruments de capitaux propres pour motiver les salariés. Donc c'est une forte association des collaborateurs à la croissance de l'entreprise. Donc 90%, c'est un élément qui est très important. Deuxième élément, on se rend compte que dans ces éléments de motivation, ce qui est principalement utilisé, ce sont les BSPCE, les bons de créateurs d'entreprise, qui est l'outil idéal, tant qu'on peut l'utiliser. Donc il y a des conditions d'âge, et surtout, en fait, malheureusement, quand vous avez des collaborateurs en dehors de France, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, il faut absolument pérenniser en fait, les bons de créateurs d'entreprise et le statut fiscal qui va avec, sachant que, comme vous le savez, sur les stock options et les free shares, aujourd'hui, on a des charges sociales, des contributions en fait, qui sont ultra fortes. Donc, il faut continuer à pérenniser ce statut particulier des bons de créateurs d'entreprise. Pourquoi a-t-on des startups qui utilisent après des stock options ou des free shares? Bon, on est aussi face à des startups qui dépassent la limite d'âge, qui ont une détention de capital qui ne leur permet plus de faire des BSPCE, ou encore qui ont des collaborateurs en dehors de France. Ce qui explique ces ratios-là. Si en fait les BSPCE pouvaient être utilisés ad vitam aeternam, on n'aurait que l'utilisation de BSPCE pour les startups du digital. Élément aussi intéressant, toujours dans cette partage de valeur, dans la détention du capital, on se rend compte qu'on a une répartition du capital quasiment à moitié-moitié entre les investisseurs externes type VC ou BA, Business Angel, et les fondateurs et les salariés d'entreprise. Donc il y a aussi, on a vu tout à l'heure que les collaborateurs étaient associés, quoi, dans les entreprises à 90%, on ouvrait des instruments de capitaux propres pour motiver les salariés. On voit que le capital est réparti de manière quasiment équitable, en tout cas un ratio de quasiment 1 pour 1 entre investisseurs, fondateurs et collaborateurs. Et aussi en termes de partage de la valeur, et c'est important de le rappeler, le ratio entre le salaire moyen des collaborateurs et le salaire des CEO n'est que d'un ratio de 2. Globalement, un patron est seulement payé que 2 fois plus qu'un collaborateur moyen. Si on compare ça, et on verra ça tout à l'heure avec d'autres secteurs, ce ratio est vraiment très 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 faible. Et là, encore une fois, l'idée est vraiment une idée de partage de valeur. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais dire. 4 idées fortes. Chiffre d'affaires en hyper-croissance, 44%, avec des sociétés qui sont born global, donc avec un chiffre d'affaires international qui a été multiplié par 2. Des outils de financement et innovation qui sont pertinents, comme le crédit d'impôt recherche, et certains qu'on pourrait un peu plus élargir pour qu'ils soient encore plus pertinents pour les entreprises du digital, avec un statut un peu spécifique. Des effectifs en forte croissance, plus de 22%. Avec un modèle qui permet d'intégrer à la fois des collaborateurs en CDI qui sont jeunes et un partage de la valeur qui permet en fait de partager cette valeur entre actionnaires, fondateurs
et collaborateurs. Merci. Vous retrouvez tous ces slides en manière détaillée, en fait, sur les réseaux sociaux, sur le site de France Digital, sur le site de EY. On a une version un peu plus longue de ces slides-là, avec beaucoup plus de data. Et encore merci à toutes les startups qui ont été harcelées par les VC et par mon équipe. Merci à Pierre-Alexandre, Natacha, Bonnie, à tous ceux qui ont bossé sur le baromètre. Et à France Digital pour nous avoir supportés au sens anglais et français du terme. Merci Franck. Donc les chiffres, c'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est de les mettre en perspective. Donc c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir Pierre-Yves avec nous, qui va nous apporter son regard d'économiste pour voir comment on peut jeter un éclairage sur ces chiffres par rapport au reste de l'économie. Oui, merci d'abord pour l'invitation. Et puis bravo à vous tous, bravo d'être là malgré la grève des taxis. Vous savez qu'aujourd'hui, les taxis... Est-ce qu'il y a des chauffeurs de taxi dans la salle? Non. Non, pas beaucoup. Donc les taxis aujourd'hui font grève dans plusieurs villes européennes pour protester contre l'innovation. Ça, vous êtes probablement tous au courant. Donc pourquoi faire grève? Pourquoi protester contre l'innovation? Parce que l'innovation détruit des emplois ou menace des emplois, menace des situations existantes. Et c'est ça qui est le phénomène important. Si on pense à l'innovation peut-être la plus importante du XXe siècle, qui est la machine à laver. La machine à laver, c'est une innovation qui a détruit des millions, peut-être des milliards de boulots. C'est du travail domestique non payé, le plus souvent exercé par des femmes, qui passaient l'essentiel de leur journée. Ça a libéré énormément d'énergie, ça a libéré énormément de possibilités pour toutes ces femmes, la plupart du temps, pour exercer de nouvelles activités, payées ou non. Et donc, c'est l'innovation détruit des métiers, c'est ça, elle détruit des jobs, c'est à ça qu'elle sert, de manière à libérer des énergies et à créer des nouveaux métiers. Alors, comme l'a dit Franck, comme l'a rappelé Franck, c'est vrai que dans la presse, dans les médias, on fait beaucoup plus attention au boulot détruit et aux destructions, aux boîtes qui ferment, aux usines qui s'arrêtent, etc. Et on parle jamais ou très peu des nouveaux métiers qui sont créés, des nouveaux jobs qui sont créés. Donc là, le mérite du baromètre, c'est de situer à partir de simplement une centaine d'entreprises nouvelles, récentes, jeunes, que de rappeler que ces boîtes sont également très fortement créatrices d'emplois, et elles sont probablement créatrices d'emplois qui sont les emplois de demain. Alors, qu'est-ce que c'est que les emplois de demain? C'est les emplois qui vont être créés par l'innovation. Quels sont-ils? Qu'est-ce que sont ces emplois de demain? On peut faire des exercices de prospective, etc. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. La vérité, c'est qu'on ne sait pas quels seront les boulots de demain. Et c'est d'ailleurs presque ça qui les caractérise. C'est-à-dire que les boulots de demain, c'est les boulots dont on ne sait pas aujourd'hui lesquels ils seront. La seule chose, il y a une chose qu'on sait avec certitude, c'est que ce ne sera pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein, ça c'est enfin, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on apprend du baromètre? Quand Marie m'a sollicité pour commenter ces chiffres, je me suis dit, pour commenter ces chiffres qui sont des chiffres d'une enquête auprès de certaines entreprises, avec quels autres chiffres je vais bien pouvoir les comparer? Et là, c'est là que mon embarras a commencé. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce qu'il faut les comparer avec des entreprises tout récemment créées, des entreprises qui ont été créées dans l'année? La comparaison n'est pas très pertinente, parce que on parle des entreprises qui ont été créées l'an dernier. Alors on en a des milliers, des centaines de milliers en fait, hein, des dizaines de milliers plus exactement. La plupart sont des entreprises à une seule personne. Parfois il y a un employé, des fois deux, mais enfin, rarement plus. C'est à plus de 50% des entreprises donc unipersonnelles créées par des femmes, donc ça c'est une différence sur laquelle je reviendrai. Mais c'est des toutes petites boîtes qui sont souvent des boîtes qui offrent des services de proximité et qui survivent de facto assez peu de temps. Là on est sur des entreprises différentes les entreprises qui ont été interrogées, c'est celles qui avaient bénéficié d'investissements en capital risque. Donc on est déjà dans des boîtes qui ont déjà passé le cap des toutes premières années, qui ont déjà été repérées comme étant potentiellement prometteuses et pouvant se développer dès maintenant et dans le futur. Donc avec quoi on compare ces entreprises? Est-ce qu'on peut essayer d'avoir des chiffres sur les autres entreprises qui ont à peu près 5 ans d'existence ou qui ont à peu près le même âge? C'est difficile d'avoir des chiffres détaillés là-dessus. Alors je me suis dit, il y a peut-être un autre type d'entreprise avec lesquelles on peut comparer, c'est les entreprises du CAC 40. Vous voyez, ça n'a rien à voir, effectivement, ça n'a rien à voir. Sur plein de dimensions, c'est complètement différent. Malgré tout, cette comparaison, elle nous apprend quand même des choses. D'abord, premier point, c'est que dans les 120 ou 130 entreprises qui ont été interrogées, il y en a sans doute... Là, je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça. Il y en a sans doute une, voire deux, qui, d'ici quelques temps, seront dans le CAC 40.
Donc, alors, je sais pas laquelle, hein, mais je sais pas quand. Mais c'est donc c'est le premier point. Les caractéristiques, donc a priori ça peut sembler vraiment différent, mais il y a quand même quelques éléments sur lesquels on a des comparaisons, on a des similitudes qui sont intéressantes. D'abord, au sein de l'économie française, les boîtes du CAC 40 tirent plutôt bien leur épingle du jeu par rapport à l'ensemble des sociétés françaises. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'elles sont toutes massivement ouvertes à l'international. Et la croissance du chiffre d'affaires ou le maintien du chiffre d'affaires, le maintien des marges, le maintien des profits, il vient uniquement de l'étranger, il vient en grande partie des pays émergents, et c'est ce choix-là de spécialisation qui est un choix ancien pour l'ensemble de ces entreprises qui fait qu'elles tirent bien leur épingle du jeu du mouvement actuel, qui est un mouvement où la croissance elle est faible, enfin, vous avez tous remarqué, dans les économies développées, mais en revanche elle continue à être soutenue, ou en tout cas relativement soutenue, dans d'autres régions du monde. Donc ça c'est et ça c'est un point qui m'a frappé dans le baromètre, c'est la part des recettes qui vient de l'international, pas seulement de l'Europe, hein, et du reste du monde. Et là, on a manifestement dans ce panel des entreprises qui sont toutes ouvertes vers l'international. C'est peut-être une banalité de le dire devant vous, mais ça m'a frappé comme étant un phénomène assez caractéristique. Il y a d'autres éléments sur lesquels, évidemment, ces boîtes sont très très différentes. Le premier élément auquel on parle, évidemment, c'est la taille, mais également la structure des rémunérations. Et là, on voit que ça n'a strictement rien à voir. Les boîtes du CAC, au sein d'une entreprise du CAC 40, les écarts de rémunération entre le salaire le plus faible et le salaire du PDG, c'est de 1 à 100, de 1 à 200. Hein, c'est des chiffres qu'on trouve. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Il faut dire une chose aussi, c'est que ces chiffres de rémunération très élevés ou d'écarts de rémunération au sein des grosses boîtes, c'est un phénomène récent. Pour certains d'entre vous se souviennent peut-être, en tout cas vous pouvez regarder dans les archives, il y a quelques années de ça, le Canard Enchaîné avait révélé le salaire du PDG de Peugeot, de PSA, Jacques Calvet, et ça avait fait scandale. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, certains d'entre vous peut-être, c'était en 89. Son salaire était égal à 8 fois le salaire le plus bas chez Peugeot. 8 fois. À l'époque, ça avait fait scandale. Aujourd'hui, c'est 100 fois, 200 fois, ça passe. Donc là, on est dans les entreprises qui sont dans le panel, on est sur des niveaux, sur des écarts de rémunération qui ne sont pas du tout les mêmes. Et lorsqu'on parle de responsabilité sociale d'entreprise, de climat nécessaire à la cohésion d'un groupe ou d'une communauté au service d'un projet économique, d'un projet de création de valeur, eh bien les écarts de rémunération qu'on constate au sein des grosses entreprises sont potentiellement une menace pour ça. Donc là, on a des entreprises qui ont manifestement fait des choix différents. Alors c'est lié également à la question de la taille, mais c'est un des éléments sur lesquels on a une différence. Donc un autre élément sur lequel on a malheureusement des similitudes, et ça n'a pas été, c'est présent dans l'ensemble du baromètre, mais ça n'a pas été cité comme chiffre, c'est le sexe ratio des dirigeants d'entreprise. Alors au sein du CAC 40, je pense avoir vérifié, c'est zéro maintenant, il n'y a plus de femmes dirigeantes du CAC 40, sauf si je me suis trompé, il y avait Anne Lauvergeon, mais ce n'est plus le cas. Au sein des boîtes enquêtées, de mémoire, c'est 5%. Donc 7, donc c'est pas, donc 7 c'est plus grand que 0, hein, ça c'est vrai. Un élément, alors ça fait rire Marie, ben, ça c'est un élément où ça interroge, pourquoi 7%, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, là encore une fois, par rapport au CAC 40 c'est énorme, par rapport aux entreprises nouvellement créées c'est très bas, mais c'est pas du tout les mêmes activités. Donc mon espoir c'est que ce soit une de ces sept, une boîte parmi ces 7% qui soit l'une de celles qui entrera dans le CAC 40 d'ici quelques temps. Voilà, donc bonne chance. Et encore une fois, le point essentiel pour moi, vraiment en lisant ces chiffres, le point essentiel qui se dégage, c'est l'ouverture internationale, le fait que c'est un choix radical dès le début. Comme l'a dit Franck, elles sont born global, hein, elles sont nées dans un univers qui est un univers globalisé. C'est celui-là dans lequel on est, et c'est celui-là dans lequel on va être pour le reste de nos jours si on le voit pas, si on refuse de considérer ça comme une réalité, on est cuit. Donc là, je prêche évidemment des convaincus, mais c'est une réalité, c'est un message qu'il faut absolument systématiquement avoir en tête. La bonne défense de l'emploi aujourd'hui, c'est pas la défense des emplois anciens,
c'est la création des nouveaux emplois, des emplois de demain. Et ça, c'est par l'ouverture à l'international, par le fait d'aller voir la demande là où elle est, là où elle sera, qu'on va créer ces emplois. Merci. Merci beaucoup. Merci Pierre-Yves. Merci Franck.